Saint Jean Bosco, je viens près de toi pour que tu m'apprennes à vivre ma vie en union avec Dieu, à vivre comme Jésus, entièrement donné à Dieu et aux autres. Tu nous partages le don de toi-même. J'étais à bout de force et l'on dut me transporter au lit. Une bronchite se déclara bientôt, accompagnée d'une toux inquiétante. Je n'arrivais plus à respirer. Au bout de 8 jours, la maladie empira à ce point que je me sentis à la dernière extrémité. J'étais prêt à remettre mon âme à Dieu. Sans doute, je regrettais d'abandonner mes pauvres enfants, mais j'étais heureux de terminer mes jours après avoir assis sur un pied solide cette œuvre de sauvetage de la jeunesse. La crise finale se déclara un samedi dans la soirée. J'étais persuadé que j'allais vivre ma dernière nuit, les médecins appelés à mon chevet en étaient persuadés eux aussi, mes forces s'affaiblissaient d'heure en heure. Je crachais le sang avec abondance. Assez tard dans la nuit, je me mis à somnoler. Le sommeil s'empara bientôt de moi. Lorsque je me réveillai, j'étais hors de danger. Les docteurs venus me voir le matin s'exclamèrent. Allons vite remercier la Vierge consolatrice de cette grâce inespérée. Cette maladie me frappa au début de juillet 1846, juste au moment où je devais quitter le refuge et m'installer ailleurs. Je passai quelques mois de convalescence en famille, à Murialdo. J'aurais dû y rester davantage, mais les enfants commençaient à venir me relancer, au point que je ne trouvais plus une minute de repos et de calme.